Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, tout va bien. Nous sommes aujourd'hui lundi. Il est 9h moins 10 exactement. Je vais partir faire mes courses, comme tous les lundis, vous le savez, hein. La nuit dernière, j'ai travaillé en petite nuit et j'ai eu un temps dégueulasse. Dégueulasse, excusez-moi, je vais moucher. Donc, temps dégueulasse, dégueulasse de la... toute la nuit. Toute la nuit, on s'est pris des rabasses. Il y a eu du vent super froid, enfin bref. Aujourd'hui c'est très gris hein, aussi, donc voilà, bon bah c'est pas bien grave, hein, c'est comme ça. Hein. C'est je ma pauvre Lucette. Bon sinon je suis en train de me préparer comme je vous ai dit. Je vais aller faire les courses, donc je vais me rendre à Carrefour. Je vais également aller à Lidl parce que il faut que j'achète des couches pour Aria. Et il faut que je prenne des couches, vous savez, culottes là, des pull-ups. Nous on appelle ça comme ça. Alors je sais pas si ça s'appelle comme ça pour les enfants. Bref, c'est les couches qui se baissent et voilà, comme une culotte. Parce que Ariel est de plus en plus en train de demander le pot, etc. En fait, elle imite sa sœur, donc ben, elle fait comme sa sœur, quoi. Donc voilà, on va lui mettre en place ça. J'ai souvent la question à savoir comment j'avais fait avec Cali. En fait, Cali, c'était à sa demande aussi. J'ai jamais forcé, je l'ai jamais engueulée quand elle faisait un pipi dans sa culotte ou quoi. Donc voilà. Par contre, je suis en train de penser que comme on va passer sur les couches qui se remontent comme les culottes, il va plus falloir que je passe par les bodys, parce que à chaque fois avec Cali, je me rappelle, j'avais le body qui trempait dans le pot et t'es bonne pour changer le body. Donc je vais lui sortir les t-shirts à manches longues qu'on met en dessous des vêtements quoi, que j'avais acheté pour Cali. Voilà, tout simplement. Donc à Lidl, il faut que j'achète du PQ aussi parce que je crois qu'il nous reste deux rouleaux. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et je passerai également... Bon, enfin, ça dépend. Si je trouve tous mes légumes à Carrefour, je passe ou non à grands frais. On verra bien. Voilà, voilà. Donc, clairement, ça va me prendre au moins une bonne partie de la matinée. Sinon, aujourd'hui, livraison de la part de GLS, tous mes tissus. Vu la commande que j'ai faite, à mon avis, ça va être en deux gros cartons. On verra bien parce que j'ai commandé de la ouate, j'ai commandé plein de choses. Voilà. Et puis, bah, cet après-midi, au boulot, la machine va fumer. Parce que j'ai eu énormément de commandes. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre confiance. Merci infiniment parce que hier soir, j'étais au boulot et j'avais les poches de la boutique et tout. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages à savoir s'il y allait avoir du réassort au niveau des tissus avec le zèbre, la girafe et tout. Je vais essayer. Je vais envoyer déjà toutes les commandes qui sont passées là entre hier et aujourd'hui. Et si je peux remettre du réassort, j'en remettrai. Donc n'hésitez pas à zioter de temps en temps sur la boutique. Mais voilà, si je peux, si j'ai assez de tissus, je le remets. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez remarqué que j'avais rechargé mon miroir, hein? Bref, voilà. Et cet après-midi, j'aimerais bien... Ou je le fais ce soir? J'aimerais bien m'épiler les sourcils parce que là, ça devient n'importe quoi là. En fait, j'aurais besoin d'aller voir mon esthéticienne pour qu'elle me les redessine parce que là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais bon, on va enlever le dessous en gros. Et puis, bah, quand ça rouvrira, bah, j'y retournerai. Sinon, qu'est-ce que... J'ai un call téléphonique ce matin avec mon chirurgien que quand je me suis fait opérer il y a un mois. Pour voir comment vont les cicatrices, etc., etc. Sachant qu'elles vont très très bien les cicatrices, donc pas de problème. Et autre chose, voir avec elles, parce qu'au niveau des vitamines, je suis pas bonne du tout, j'ai pas mal de carences. Donc voilà, je vais voir avec elles, je pense qu'elle va m'envoyer une ordonnance. Bon déjà, je vous l'annonce, hein, j'ai des carences en B12, mais ça... Je le savais. Et également voir mon... Je crois que le foie encore, c'est pas très très bon. Voilà, donc je vais voir avec elle tout ça. Normalement, j'aurais dû avoir un rendez-vous physique. Mais bon, vu le contexte actuel, pas de rendez-vous physique. Et voilà. Et sinon, ah oui, je voulais revenir sur un truc. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une semaine ou deux de ça, il y a eu l'alarme incendie qui s'est déclenchée à 3h du matin au boulot. Et je vous ai dit que je savais pas quoi faire parce que j'avais pas eu la formation incendie. Et j'ai envoyé un message à la directrice et à ma cadre pour leur demander une formation. Parce que je leur ai dit, en fait, il se passe le moindre truc la nuit, je ne sais pas quoi faire, en fait. Donc elles m'ont dit, vous inquiétez pas, vous êtes sur la prochaine session. Donc tant mieux. Tant mieux parce que là, franchement, en fait, je me dis, il se passe le moindre truc la nuit. Alors, je suis pas toute seule, hein. Il y a
Il y a le mec de la sécurité incendie qui est avec moi. Mais s'il doit me faire une formation pendant qu'il y a l'alarme et qu'il y a le feu, ça craint un peu du boulot quand même. Hein. Donc voilà. Et sinon, autre chose, bon bah comme d'hab, on m'a appelé pour me faire un changement. Demain, je suis sur l'autre. Je suis sur l'autre secteur. Ils m'ont un petit peu pris de court, mais bon. Tout va bien se passer, c'est pas grave. Bref, donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal. 5 minutes que je parle. Et bien entendu, tout à l'heure, on vous filmera le retour de course avec Doudou. Et je vous le posterai lundi après-midi, donc hier, pour vous, quand vous regardez ce vlog. Voilà, j'ai décidé de le mettre le jour même parce que au moins ça vous donne des idées pour la semaine. Et moi personnellement, ça me fait pas plus de. Ça fait un petit peu plus de travail parce que ça fait sortir une vidéo. Mais en fait, j'en profite parce que Doudou est en télétravail. Donc au moins, il peut filmer avec moi pendant sa pause du midi. Et j'ai ma cicatrice qui me gratte, c'est affreux. Elle est en train de cicatriser et ça me gratte. C'est horrible. Bref, je m'éparpille. Je filme le retour de course une fois que je suis rentrée des courses. À tout à l'heure. Et je suis rentrée des courses et je vais tout mettre ici pour pouvoir vous filmer le retour de course. Et nous sommes lundi et qui dit lundi dit que je vais faire tremper ma petite orchidée. Parce que ça, la dernière fois, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon orchidée. Donc, mon orchidée, en fait, je la fais tremper une fois par semaine pendant 15 minutes dans de l'eau, tout simplement. Je n'arrose pas plus que ça, je la fais tremper juste une fois par semaine. Et je peux vous dire qu'elle est magnifique. Elle m'a déjà mis 2 fleurs. Donc celle-ci là et une ici. Elle est vraiment sublime. Elle est sublime. C'est la première fois que j'arrive à tenir une orchidée comme ça. Et puis je pense que là au niveau de la luminosité et tout, elle est très très bien ici. Donc je vais la laisser ici et elle est sublimissime. Sublime. Je parle de mon orchidée. Et sinon j'ai fait un merveilleux cadeau à Doudou. Quoi? Et c'est un super cadeau. Je lui ai acheté une scie circulaire, sans fil. Voilà. C'est pour qu'il me fasse plein de travaux. C'est pour les tutos de Doudou. Les tutos bricots de Doudou. Bon allez, j'arrête de blablater, je sors tout ça là. Ah, je t'ai acheté une lame aussi, t'as vu? Je sais pas si c'est la bonne. Je pourrais jouer au frisbee avec? Non, 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 non. Une lame. Normalement c'est la bonne, mais bon. C'est pour tirer quoi? Ah bah parce qu'il y a différentes... Oui. Bah du bois. Il y en avait un autre? Bah non, il n'y en avait qu'une. Non, je vois. Non, il n'y en avait qu'une. Allez. Le bois tendre, le bois dur, les tubes en plastique, l'aluminium. Ouais. Bah, l'aluminium, tu vois. Voilà. Bref, allez, on installe tout et on va faire le retour de course. Je viens d'ouvrir ma commande de tissu. J'avais oublié que j'avais commandé ce tissu. Il est tellement canon. Il est sublime. Sublime. Donc il y aura bientôt une nouvelle couverture avec celui-là. Sinon, bon, j'ai pu retrouver celui-là, là, le girafe zèbre, trop trop beau aussi, je l'adore celui-là. Et j'ai trouvé ces deux-là. Donc il y a un terracotta avec des petits points crème et un crème avec des petits points noirs. Il est trop trop beau. Sinon, au fond, donc il y a du minky là. J'ai également de la fibre de bambou, ça c'est pour mes cotons lavables. Et en dessous, je crois que c'est toute ma ouate, parce qu'il y en a pas mal. Et sinon, on a fait le retour de course. Voilà, donc je vais le monter là, et puis il sera en ligne cet après-midi, comme je vous ai dit. Donc voilà, voilà, voilà. Avec les idées menus de la semaine, bien entendu. Une bonne chose de faite. Ça, c'est cool. Ah oui, et je me suis acheté le Robot et moi. Vous savez, c'est un magazine, je vous le présente souvent. Donc, c'est un magazine avec plein de recettes, en fait, que ce soit et sur le Thermomix, et le Cookéo, et le Magimix, les trucs comme ça. Et en fait, y a plein de recettes, vraiment trop, trop bonnes. Donc, voilà, j'aime bien me l'acheter de... Bah, en fait, il sort tous les 2 mois, donc voilà, tous les 2 mois, je l'achète. Crème brûlée à la courge. Ça va être trop bon, ça. Confiture d'oignon, porc poché, œuf en meurette. Oh là là, j'adore les œufs en meurette. J'adore ça. Si je savais cuisiner ça. Oh, je pourrais. Eh, Doudou, je pourrais les faire. J'ai du vin rouge et tout.
Oh, que j'en fasse. J'adore les œufs en beurrette. J'adore ça. Je vais me faire ça. Tiens. Tagine d'agneau, tagine de crevettes. Je vous dis, tagine de kefta. Oh là là, mais il y a des trucs trop trop bons. Flan pâtissier. Franchement, et puis en plus, les photos, elles sont juste magnifiques. Franchement, j'adore ce bouquin. Il n'est pas donné, hein. Il est à 7 euros, mais bon, tous les deux mois, je trouve que ça va. Bon, allez, j'arrête de blablater, je vais faire le montage du vlog, là. Le montage du retour de course. Et voilà le petit repas de midi. Pourquoi t'as mangé un peu d'hélium à midi? En télétravail, doudou, devant l'ordinateur. Et bim. Ben ouais, il a des calls, des calls, des calls, des calls, donc voilà. C'est l'école, mais en version travail. Non, des calls. Les calls. Bon, petit écrasé d'avocat, des épices, salade mâche avec des oignons frits, crevettes et des tomates. Et voilà, et c'est très très bon. Bon, j'ai récupéré ma petite louloute qui s'est coloriée sur le nez et sur la joue. Voilà, voilà. On montre tes talents de dessinatrice? Viens me voir, hein. Viens montrer ton nez. Voilà. Tu vas aller te laver, non? Je vais me laver au bain. Tu vas te laver au bain, oui. Ça te fait rire? Regarde, il est plus grand. T'es plus grande que moi? Ouais, mais tombe pas quand même. Hein. Enfin bref. Alors, je sais pas, il n'y avait plus de feuilles à l'école? Que tu t'es dessiné sur le nez? Sur oui, le nez, oui. Sur le pantalon, hein, oui, parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, hein? Mais Cali, elle m'a dit que c'est elle qui frottait. Elle allait frotter le pantalon. J'y crois pas trop. Enfin bref. Enfin bref, bon, et Aria va très bien aussi, elle a passé une très très bonne journée chez Nounou. Je vais m'occuper de mon orchidée, je ne l'ai toujours pas fait tremper, c'est pas bien. Je m'occupe de mon orchidée. Maman, elle a fait de la soupe pour tout le quartier. Bon, le thermomix est plein et la casserole aussi. Voilà, voilà, donc clairement il y a de la soupe pour tout le monde. Si vous voulez de la soupe, venez à la maison, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, j'ai mis... L'adresse sera en barre d'infos, il a dit, non, non. À l'intérieur, il y a, j'ai mis poireaux, carottes, pommes de terre, butternut, oignons, ail. J'ai mis un petit peu de crème et j'ai mixé et voilà. Et on va se ré... Et toi, t'es fatiguée? Eh oui, petit chat. Avec ça, on va manger du jambon. Le jambon, elle a des coupes que papa, il adore. Et oui. Et puis dans notre soupe, bien entendu, on va mettre du riz et des babybelles. C'est la base chez nous. Du riz et des babybelles. Oh, un clown. Tiens. Il est où le deuxième clown? Coucou Aria. Et coucou. Tu te mouches dans le babybel là? Comme ça, parce que t'as le nez plus à plat. T'as tout... Oh, badaboum. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. On va nous à la famille. C'est pour qui, ça? C'est pour ma maman. C'est pour maman et pour Cali aussi. Tu veux quoi, toi? Gab. Tu veux un éclair? Tu veux au chocolat? Non, c'est pour maman mon chocolat. Non, mais maman, elle aime pas le chocolat, tu le fais. Tu veux une tarte aux framboises ou tu veux un éclair? Un éclair. Doucement, Louloute, doucement. Merci. Donc ça, éclair vanille. Tu veux pas que je le coupe parce que la dernière fois, tu l'avais pas mangé en entier. Je le coupe. Maman. Tu veux quoi, Aria, toi? Tu veux ça? Oh, regarde papa ce qu'il amène. Oh là là, c'est quoi? C'est pour maman? Oui, et pour Camille. C'est à qui ça? De là. De là. C'est quoi? Va doucement, Cali. Ça va les framboises? Comment on fait avec les doigts? Doucement, Cali, doucement, doucement. Doucement. Stop, 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 stop. J'en ai pris deux. T'en as pris deux? Combien il y en a là?
Non, compte correctement. Oui, je vais t'en donner. Vas-y. Oui. 3, 4. Bravo, chérie. C'est pour qui, ça? Pour maman et papa. Ah, c'est surtout pour Aria. Aria, tu veux une tarte? Tu veux ça? Non, tu veux les framboises. Aria, elles sont où, les framboises? Maman? Oui? Oui, bah bien sûr. Tu veux la tarte, maintenant? Elles sont où, les framboises? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Aria, elles sont où, les framboises? Pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Dans le bidou? C'est où, les framboises? Elles sont dans le bidou. T'as tout mangé? Non. Si. Je suis devant l'ordinateur en train de faire le final du vlog. Je vais vous abandonner ici. Je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. Demain, on se retrouvera en fin de matinée puisque j'ai rendez-vous chez le dentiste demain matin. Voilà. Donc, Kali n'a pas école puisque sa maîtresse du mardi n'est pas là. Elle est qu'à contact, je vous ai dit. Donc voilà, il n'y a pas d'école pour Kali. Aria va chez Nounou. Et puis voilà, moi j'ai rendez-vous chez le dentiste à 9h30. Et après je rentre. Voilà, je ne sais pas dans quel état je vais rentrer. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me faire. On verra bien. Comme j'ai annulé mes deux rendez-vous suite à mon opération, je ne sais pas du tout. Donc on verra bien. Ça sera la surprise demain. Ou pas. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.